tirer dans le dos avec un LBD-40. De lancer des grenades lacrymogènes à tir tendu. RIO obligatoire! RIO obligatoire! Policiers et gendarmes, l'emploi de la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Il ne fait usage des armes comme un cas d'absolue nécessité. Il est parti gentiment. Le RIO, on ne le voit pas, le RIO. Je vous rappelle que vous avez signé service public. Et le public, c'est qui? C'est nous. On attend les pompiers. Nous, on n'a rien, regardez tout ce que vous faites là. On était tranquille, vous arrivez, regardez le résultat là. Quelle démocratie, ouais. La démocratie à Macron, micro. La démocratie à Macron, mes couilles! Mes couilles! Yeah.
vous touchant avec un LBD 40, de tirer dans le dos avec un LBD 40, de lancer des grenades lacrymogènes à tir tendu, de lancer des grenades de désencerclement en cloche, de frapper à la tête avec une arme contondante. Policiers et gendarmes, vous avez le droit de refuser d'exécuter ces ordres illégaux donnés par votre hiérarchie. Ne nous mutilez pas, rejoignez-nous. Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur du 15 octobre 2014. Après un tir avec un LBD 40, il convient de vérifier sans délai si la personne atteinte par un projectile et qui a été interpellée ne présente aucune lésion. Dans tous les cas, l'individu touché reste sous la surveillance constante des agents de la police ou de la gendarmerie nationale. Quelle que soit la zone corporelle atteinte, un examen médical doit être pratiqué dans les meilleurs délais et un certificat médical descriptif doit être délivré par le praticien. Article R434-14, relation avec la population. Le policier ou le gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer un retour, respect et considération. Article R434-6. Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Policiers et gendarmes, vous êtes en sous-effectif. L'État vous doit 25 millions d'heures supplémentaires. Vos missions se succèdent à un rythme insoutenable. Vous êtes exploités comme nous. Depuis le plus haut sommet de l'État, votre hiérarchie exige que vous fassiez du chiffre uniquement pour des raisons politiques et de promotion interne. Votre hiérarchie ne remplit plus sa mission d'accompagnement humain. Plus de 5 ans de vos collègues ont dramatiquement mis fin à leur jour entre janvier et octobre 2019 parce que leur hiérarchie n'a pas veillé à leur santé mentale. Voici ce qu'écrit un de vos collègues au PJ. Ce qui est le plus dur, c'est la perte de sens de notre travail. Nous sommes commandés par des incompétents qui ne connaissent pas le métier et gèrent les gens comme des pions. Dans notre service, un collègue est en arrêt pour dépression, ne se retrouvant plus dans les ordres donnés. Un autre s'écroule en larmes chaque matin en venant au travail. Policiers et gendarmes, vous avez le droit de vous protéger des abus de votre hiérarchie. Ne vous suicidez pas, rejoignez-nous. Thank you.
Thank you.
Non, les respecte de qui sont les respecte de qui, non. C'est bien, montrez-le. Mais la plupart, là, ils sont où, là, les clients? Monsieur, t'as pas, vous m'avez dit qu'ils sont seuls, vous m'avez dit qu'ils sont seuls. Vous n'avez même pas le droit d'interpréter. Vous n'avez même pas le droit. Ça, c'est bien filmé, ça. Monsieur n'a pas son aérien, il a mis dans son sac. Article R434-27, sanction des manquements déontologiques. Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes déontologiques l'expose à une sanction disciplinaire, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. Le RIO en fait partie. Policiers et gendarmes, l'emploi de la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité. Ouais, j'ai les mains faites gentiment. Non, mais il est de la grève, c'est normalement de la suite. Non, c'est pour les pompiers. C'est pour les pompiers.
vient de laisser au 40. Laissez respirer, dégagez. Et également, sont des sourcils. Dégagez, là.
travailler. Vous arrivez, regardez le résultat là. On est parfait. Vous avez vu comment vous êtes arrivé? Nous on n'a rien, regardez tout ce qui s'est plaqué là. C'est pas du caillou que le malazade. On est peut-être tranquille, vous arrivez, regardez le résultat là. Sans déconner quoi. Et après on a arrondi ça la démocratie. Arrêtez, va. Quelle démocratie, ouais. La démocratie à Macron, Bitcoin. La démocratie à Macron, Bitcoin. Il est vite sur le feu, il a été à 2000 km. Il est en train de réanimer la situation. Là, il jette 2000 sur le feu à chaque fois. Hein. Vraiment, hein, bon, les gars, vous faites bon travail aujourd'hui. Franchement, comment pas être fier de faire ce genre de merde?
allez pouvoir chanter le champagne. On pourrait fêter ça ce soir, franchement. Comme les Lénins, vous êtes pacifiques, avancez par là. On est là. Comme ça, vous êtes beau comme ça. Je préfère. Bravo, allez. C'est bon, on rentre là. On va pas vivre là. C'est bon. Les gens ont fait leur part. On laisse les rues. C'est bon. Laissez les rues là. Allez. Oh. Hey. Ah, 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 ah.